Petite allumette à la flamme pudique, minuscule bout de bois à la tête magique, qui nous délivre de l'obscurité au bon moment et que l'on jette après coup négligemment. Posée sur la table, admirons la belle bougie et sa petite flamme qui vacille au moindre petit courant d'air, en répandant sa lumière dans la chaumière. Pensons aussi à nos valeureux ancêtres, se chauffant à la flamme du feu de bois, racontant à la famille leurs exploits à la lueur de la lune qui vient d'apparaître. Du temps des Romains et d'autres Assyriens de naguère, on s'éclairait au moyen de simples luminaires que l'on alimentait avec de l'huile vierge, ce qui donnait une jolie flamme pour éclairer l'auberge. Des briquets, il en existe à compter jusqu'à demain, du plus petit que l'on peut à peine tenir dans la main, à l'immense variété de matières et de grandeurs, en métal, en argent ou en or, et de toutes couleurs. Les batteleurs de nos foires, parmi leurs multiples talents, se font aussi cracheurs de feu et de flammes, se remplissant la bouche d'une substance inflammable qu'ils rejettent en soufflant sur un objet ardent. En fin de journée, se reposant près de la cheminée, on ne peut s'empêcher d'admirer les flammes enfumées qui dévorent les bûches de bois en craquelant, alors que la fumée part vers le haut en flamboyant. Ne regardons pas le soleil fixement. Cet astre qui nous donne vie, lumière et chaleur, l'astronome avec sa lunette nous montre précisément sa masse en fusion et ses flammes à faire peur. Un volcan vu de loin, c'est déjà inquiétant. De près, avec le grondement, c'est très effrayant. Voir ces laves incandescentes, ces flammes menaçantes, on ne pense plus qu'à fuir d'épouvante. Aujourd'hui, c'est dans le vieux couvent que l'on allume la flamme minutieusement. Des cierges dans leurs bougeoirs bien alignés que les fidèles n'ont pas manqué d'approvisionner. Quelques pas encore, et c'est la place de l'Étoile, où convergent des milliers de vétérans très émus venant ranimer la flamme symbolique sur la tombe du soldat inconnu. La fête de l'escalade pour les jeunes voix, ce n'est pas seulement un cortège de costumes d'autrefois, ce ne sont pas les flammes d'un feu de bois, c'est le rappel d'une volonté d'indépendance à laquelle on croit. La vie est un songe, nous dit Calderón de la Barca. Ne pourrait-on pas dire dans ce cas, la vie est comme une flamme qui naît, se consume et qui s'éteint.
Thank you.